Je m'appelle Ella, j'ai 31 ans. Je suis née sur l'île de Santo, au Vanuatu. C'est là où j'ai passé mon primaire et mon collège. Puis j'ai été sélectionnée dans un lycée francophone à Port Vila avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie en 2003. J'ai commencé à vivre avec ma famille d'accueil à Nouméa. Donc j'ai obtenu un bac STTG en 2007. En 2008, j'ai continué en BTS, assistant de gestion PME-PMI. À cause de mes problèmes de santé, j'ai pas pu rattraper mes retards de mes absences. En 2009, je suis lancée dans une licence économie-gestion à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. L'adaptation n'a pas été facile car il a fallu apprendre des nouvelles méthodes et la prise de notes. J'ai effectué mon premier stage dans une entreprise agence en douane. Suite à ce stage-là, j'ai eu ma licence économie-gestion. J'ai envisagé de suivre un master. Finalement, je me suis orientée à une licence professionnelle révision comptable qui est au sein de l'université aussi. J'ai effectué mon alternance dans la même entreprise spécialisée dans l'importation et exportation. Suite à ce stage, j'ai obtenu ma licence professionnelle avec mention bien. À cette époque, j'ai perdu ma grande sœur. Je suis retournée au Vanuatu. Je suis restée 4 mois pour obtenir mon visa de travail, pendant lesquels j'ai effectué des petits boulots comme le tutorat et garder des enfants. Et ensuite, je suis revenue sur le territoire. Le gérant de l'agence en douane que j'ai effectué mon alternance, il m'a proposé un poste à adjointe gérante. Depuis, j'ai évolué professionnellement jusqu'à gérer une des filières de l'importation, une des filières spécialisées à l'importation, en gros avec le Vanuatu. J'ai un métier très complet et qui me plaît beaucoup. Même dans les moments difficiles, il faut voir le côté positif et ne pas baisser les bras. Nous sommes maîtres de notre destinée. C'est ma réussite.